Coucou, alors je suis désolée, j'ai conscience en ce moment que je ne vous parle que de ma dent, mais c'est le vlog, voilà, c'est ce qui se passe en ce moment. Bon, bref, pour faire très court, je vous ai quitté hier en vous disant qu'hier soir j'avais rendez-vous chez le dentiste, chez le médecin, voilà, il m'a vu, donc j'ai une grosse infection liée justement à ses dents, donc il a doublé la dose d'antibiotiques pendant 6 jours, et j'ai également des antalgiques à base d'opium pour calmer les fortes douleurs. Voilà, chapitre clos. Bien évidemment, je vais continuer dès que mon dentiste rentre de ses congés. Je vais l'appeler, je vais insister. Pour l'heure, je vous avais dit que je devais aller chez Action hier. Forcément, j'ai pas pu avec ce rendez-vous. Je pense très certainement y aller maintenant. Comme ça, tranquillou, il doit être 10h. Je sais pas encore si je vais vous faire une vidéo dédiée ou si je vous montre ce que j'ai trouvé dans ce vlog. On va improviser. C'est le bazar derrière un petit peu, non? C'est vrai qu'il fait un petit peu pyjama ce sweat, mais je l'aime bien. Je suis devant un modèle de petit banc. Vous savez que je cherchais en velours. Donc la dernière fois, je crois qu'il était blanc, beige. Et là, on en a un qui est en velours tout noir avec des petits pieds un peu dorés. Et j'hésite, il est à 27 €. C'est un peu lourd et je sais pas, j'aurais voulu faire un test avant. Je vous montre quand même. Voilà comment il est. Il est assez joli, je trouve. Hein. 101 cm, 27,95. Bon, ça y est, je viens de rentrer, il est midi pile. Je suis dans la lancée, je vais tourner la vidéo face cam tout de suite chez Kerry qui va rentrer là d'ici 20 minutes. Il a genre 15 minutes pour manger le, on est mardi, hein, ouais, le mardi et le jeudi aussi. Je crois qu'il reprend très vite les cours. Donc je vais faire ça maintenant et comme ça, ça va me laisser le temps pour faire tranquillement cet après-midi le montage. Voilà, je suis même passée à côté à Bricot Marché pour voir s'ils avaient du papier peint. Un tissé de la couleur que je recherche, mais il n'y avait pas. Il n'y avait pas de modèle et je crois que j'ai même pas vu. Enfin, j'ai pas mis papier et un tissé, il n'y avait surtout pas la couleur que je voulais. Donc voilà, mais au moins c'est fait. Voilà, je crois que c'est bon. C'est parti, je ne sais pas encore où je vais me mettre. J'aime bien changer à chaque fois d'endroit pour tourner la face cam. Allez, je me mets ici puisque j'ai rangé. Ben oui, j'ai rangé. J'ai pas trié, mais j'ai rangé. Je vais peut-être changer mon haut parce que. Ouais, ça veut dire vlog avec le avec ça et le haut avec ça. Allez, je vais changer. C'est pas droit non plus. Hop. Ah, j'ai vraiment hâte hein, de changer ce fond qui est très chargé. Parce que vous voyez, dès l'instant où on a un haut un peu avec des motifs, c'est surcharge. Voilà, j'ai terminé. J'espère que ça sera bien, que j'aurai pas à retourner le hall. Je vais descendre, Eric est rentré entre temps. Ce midi, ça va être tortille au Saint-Jacques. C'est excellent. Il est 3h, je suis en train de uploader et après j'aurai toute la miniature, tout ça à faire. Là je vais descendre, je suis coup de barre sur coup de barre. Ouais, on va goûter mon puce. Je vais me faire un petit chocolat chaud. J'ai pas pu résister. Hein. Il reste ce qu'il a ramené hier, Eric. Il y en avait 8 beignets en fait maintenant. Mais c'est tellement bon. J'en mange un puis après je me lave tout de suite les dents. Mais ils sont très très bons. Il les a eu à Leclerc. Et dedans, t'as soit de la confiture, soit du chocolat, soit de la noisette. Mmh, voilà le mien. Fin de journée boulot, 19h12. Je viens de terminer mon dernier coup de fil. Alors, vous êtes beaucoup, et je le comprends, à me dire, mais tu vas bientôt nous dire ce qui te prend tout ce temps? Oui, promis. Le truc, c'est que c'est en plusieurs phases. Enfin, je vous expliquerai le projet en plusieurs phases. Oui, je vais vous donner le thème général, l'ambiance, ce que je suis en train de faire. Mais il y a d'autres choses que je ne pourrais pas forcément vous révéler tout de suite, mais vous allez quand même comprendre très très vite ce qui se passe. Et je suis contente de voir cet engouement avec tous les futurs fournisseurs, notamment avec qui on va bosser. Voir, vraiment, ils sont à fond dans ce projet et c'est cool parce qu'il y a quand même plein de choses qui ne sont pas évidentes. Tout ce qui est partie logistique, enfin... Quand tu es seule aux commandes, je peux te dire que c'est pas évident et tu essayes de trouver le meilleur et c'est toujours une question de prix, de tarifs, de machin, mais tu peux pas non plus voir les choses trop à la baisse parce que le but, moi, c'est pas de faire du moyen-moyen, je veux que ce soit pro. Hein. Et tout ça, ça demande de prendre le temps, de réfléchir, de regarder ce qui est de mieux, ce qui se fait de mieux. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que je suis très 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 excitée et très vite, hein, voilà, on va pas attendre 15 000 ans, je vais vous parler de ce que je suis en train de préparer. Sinon,
Eh bien, les antibiotiques, je pense, font effet. Le fait d'avoir doublé la dose, j'ai pas mal, mais je suis... Alors, certains vont dire, c'est pas les antibiotiques, c'est l'infection, peut-être. Je suis capoute. Capoute. Je piquais du nez. Je téléphone avec quelqu'un. Et vraiment, je piquais du nez. Donc, bon, c'est pas grave. En tout cas, j'ai pas encore commencé mon traitement à base d'opium. Mais en même temps, si j'ai pas mal... Mais c'est rassurant, tu vois, de te dire la nuit, si jamais t'as vraiment très mal, tu prends ça et hop... je vais aller préparer, je viens de descendre là, faire chauffer le four, on va se faire un petit parmentier, j'adore ça, c'est très bon. J'aurais bien aimé le manger avec de la salade, mais je n'en ai pas. Je suis désolée, je vous tiens un bout de bras. Et j'ai pas éteint, mais j'ai pas rangé surtout la partie d'action du tournage. C'est pas bien grave, il n'y a pas non plus énormément de choses, mais par contre, le super que je vous ai montré tout à l'heure, banc en velours, je l'aime beaucoup. Le problème, vous voulez savoir, ce qui fait que j'ai un petit doute, un gros doute même, c'est qu'en fait, il supporte 100 kg. Je ne dis pas qu'Eric fait 100 kg, mais Eric a déjà atteint le poids de 100 kg. Après, il fait 1m92, donc forcément, ça peut arriver vite. Et donc, j'aimerais pas qu'un matin, il pose ses fesses pour mettre ses chaussettes et qu'il se retrouve par terre. Je pense qu'il ne serait pas terrible. Donc voilà, il y a ça. Et puis, il y a aussi le côté, il fait 1m de long. 1m10, je crois, de long. Donc il faut que je vois si ça passe, parce qu'il est quand même très joli, hein. Très très mignon ce petit banc velours. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Et oui, il est là, bébé Zaki. Il dort beaucoup 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 en ce moment. Je pense que c'est le froid aussi, hein. Il n'est pas sorti une seule fois. On a eu beaucoup de neige chez nous pendant plusieurs jours, même 4 jours sur. Dans notre courette, il y avait plein de neige. Il n'a même pas mis un coussinet. Non! Je vais aller éteindre ça. Par contre, il y a un truc qui m'agace. C'est de mettre des étiquettes comme ça à tout va et tu galères. Les verres, je vais pouvoir les descendre. Je vais descendre également ça puisque ça va finir dans ma voiture. Ça, dans mon bureau. Et ça, dans la salle de bain. Mercredi 17 février. Ouais, ça va être ça, bon, on est le lendemain. Eric vient de partir, il voulait que je vienne avec lui, il avait une visite de stage à faire, mais comme j'ai un petit peu de boulot, je lui ai dit que non. Puis en plus cet après-midi, j'ai prévu d'aller à... ça fait un moment, enfin ouais, on se voit plus, ma maman doit aller faire du petit repérage pour acheter 2-3 choses, et puis elle m'a demandé si je voulais venir avec elle, donc voilà, je vais prendre ma voiture, on va se retrouver dans un ou deux petits magasins vite fait, et puis... Et puis ça lui fera également plaisir, ça va me sortir aussi un peu. Cet après-midi, ce soir, j'ai des rendez-vous téléphoniques pour changer. Donc j'ai tout calé à ce soir pour que cet après-midi, je puisse consacrer du temps à ma maman. Et il y avait autre chose que je vais... Ah oui, la poubelle! Quelle galère, j'ai réussi. Donc j'ai tout enlevé avec l'eau chaude, mais il restait toujours cette couche, cette fine pellicule de colle qui fait crade et tout. Donc j'ai tout mis avec de l'acétone, enfin du... Non, il n'y avait pas d'acétone d'ailleurs. Du dissolvant, c'est galère. Bon, j'ai réussi. Au moins, c'est bon. Une fois que c'est enlevé, elle est quand même super mignonne. Et du coup, j'ai insisté, j'ai la même en noir et puis comme ça. Et j'ai repassé un petit coup, donc là, c'est nickel. 14h, j'attends comme prévu sur le parking de ma maman. Il y a un rayon de soleil, ça fait un bien fou. Ah non, c'est pas elle. Appelle-moi Casano, Casanova. Coucou maman. Bonjour, c'est déjà la première fois que tu m'attends. Écoute, tu sous-entends que je suis tout le temps en retard. Non, mais de loin, j'ai vu la voiture 3 minutes avant moi. Ah non, je suis arrivée, ça fait au moins 10 minutes. Voilà, 36 euros, s'il vous plaît. Oui. Alors, je suis rentrée. On est allé à Kiabi, comme vous avez vu. Après, on est passé. J'avais besoin d'aller à Leclerc. Donc oui, il est en train de te donner le goûter. J'ai trouvé 4 vêtements en solde. Tout était en solde. Et je vous préfère vous les montrer demain. Il y a du pull, il y a une robe, il y a un petit chemisier hyper mignon. Alors par contre, j'ai vu des jeans et tu peux pas essayer en fait les cabines avec le Covid. Donc tout ce qui est jeans, machin, je me voyais pas essayer comme ça en même le magasin. Le chemisier, ça c'est bon, je vais enlever discrètement, ça c'est impeccable. Mais je vous montre tout ça demain. Ah, tu lui donnes le goûter dans la souris. Voilà, c'est bien. T'as compris? Non. Insiste. Voilà. Ben voilà. Je suis ressortie parce que
Je me suis rendu compte qu'il n'y avait plus de pain. Je vais vite faire la pharmacie avant de me poser. Pharmacie, la boulangerie. J'achète mon pain, peut-être une petite viennoiserie, je sais pas. On va peut-être calmer le jeu. Comme ça, ça sera fait parce qu'après, j'ai des rendez-vous à 17h au téléphone. J'y vais et j'arrête ce vlog maintenant. On se retrouve demain. Je vous montrerai, comme je vous ai dit, les vêtements. Bisous.